Berry, c'est un plaisir de parler avec toi sur Pure Channel de l'album Les Passagers. Je vais le montrer à Léo d'abord cet album parce qu'on peut commencer par ça. T'es quand même belle comme une actrice italienne sur cette pochette. Merci. Je sais pas où. Enfin, c'est juste une voiture en fait derrière aussi. La voiture est bien aussi. Hein. Mais déjà, on peut commencer par ça. C'est une écriture à deux pour la plupart des chansons. Il y a quand même une chanson aussi qui est écrite avec Daniel Darc. Ouais. Mais je sais pas comment dire. Il y a ce sentiment de deux personnes. Il y a une voiture sur la pochette. Il y a le sentiment de deux personnes qui font la route. Quoi. Je sais. C'est une sorte de fil rouge sur tout l'album. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu le ressens comme ça ? Je le ressens comme ça en l'écoutant. On l'a pas, c'était pas une décision au départ, on s'est pas dit qu'on allait faire ça, mais on l'a, à la fin, ça s'est imposé. Et quand la chanson de Daniel est arrivée à la toute fin de l'album, Les Passagers, ça nous a semblé une évidence que ça regroupait tout ce qu'on avait essayé de dire dans toutes les chansons. Il y a cette espèce de folie là dans laquelle tu nous emportes au fil de l'album. J'ai l'impression que ça fait des vagues comme ça, comme le sentiment amoureux en fait. Ouais, et puis aussi cet album, on l'a fait en voyage, c'est-à-dire qu'on l'a fait, moi j'étais beaucoup en tournée, je suis allée beaucoup à l'étranger, et on revenait pour faire les chansons, faire le disque, et le disque lui-même il s'est fait entre la maison à la campagne, le Paris, New York, Bruxelles, et donc c'était pas, on s'est pas mis dans un studio pendant un mois en se disant bon à la fin on va ressortir avec un disque. On a empilé des choses, des idées, des envies, des pistes, en se déplaçant avec ça avec nous. Et du coup, c'était vraiment un mouvement permanent de tournée à l'étranger, de retour pour... Donc j'ai l'impression que ça s'entend à la fin. Oui, ça s'entend. Mais par exemple, tu parlais de New York, je sais que vous êtes allé faire un peu de mixage là-bas. Il y a comme ça des morceaux, on cherchait justement avec Manou lesquels exactement, mais il y en a plusieurs qui ont une espèce de fibre un peu louridienne comme ça, tu ouais. vois. Avec la basse qui est très importante, on va en parler, mais une espèce de groove, les batteries qui rentrent comme ça, c'est très imagé en fait, et on sent New York. Alors tu parlais de Bruxelles, c'est les cordes que vous avez ouais. faites, parce que les cordes c'est très important aussi sur l'album, il faut le dire, il y a un lyrisme qui vient aussi des arrangements de cordes beaucoup. Ça pour nous c'était vraiment important, on avait eu la chance de rencontrer et de travailler avec Emir Deodato sur le premier album, mais seulement sur 3 titres, et puis après on est devenus amis, et en fait ce qui était assez drôle sur cet album là, c'est qu'on savait en fabriquant les chansons avec qui on avait envie de les enregistrer. En fait, on rêvait déjà au bassiste, au batteur, à Emir. Par exemple, il y a un titre qui s'appelle Voir du pays, où en le composant...